Et salut à tous, c'est 57FR, nous sommes de retour sur Outlast Whistleblower pour ce quatrième épisode. Alors, dans l'épisode d'avant, on a failli se faire brûler le cul. Et là, on doit éteindre le gaz. Alors, dans l'épisode d'avant, on s'est retrouvé coincé par notre ami assis. Il a failli nous... Il nous a dégommé. Alors, du coup, on va essayer d'y aller safe un peu. Merde. Mauvaise direction. Alors, attendez, j'ai vu un truc. Ok, parfait. On l'a eu. On l'a eu au calme. Il m'a dit bien qu'il fallait se diriger vers la lumière. Voilà. Pfiou, rien, on a eu chaud. Il a failli nous avoir. Voilà, là il nous aura pas, il y a le sas, il nous aura pas. Calme, calme, calme. Ok, porte fermée, ok. Ah oui, il y a la radio de la prison, quoi? On va passer par en dessus. Je crois qu'il faut du coup tout remonter là. On va runner. Quoi? Sas. Là, il nous aura pas, voilà. Ok. Ah, du coup, on a fait le raccourci, ok. On a eu le chemin raccourci, parfait. Du coup, ça nous évite de tout refaire. C'est parfait. Quoi? On est où là? Ok. Ok, côté des escaliers. Ok. Oh, on est sorti dehors. Oh! Ah d'accord, on est dehors. Et il y a purée de poids. D'accord, on peut aller par là. Il y a du bruit là. On peut aller par là aussi. Et là, on rejoint le mur, ok. On venait de là, c'est ça? Non, pas trop de là, on est de là, voilà. Quoi? Ah, il est... Ok, il est en... Ouais, on est descendu, du coup, il est pas très content. Oh là là. Oui? Qu'est-ce qui... Ok, c'est chaîné, c'est bloqué. Ah oui, d'accord. Par là, on va contourner par là du coup. Putain, sacré bouillard là par contre. Il y a des bruits de pas là, j'entends. Ah! Qu'est-ce... Quoi? Qu'est-ce...
Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris là. What? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? On m'a assommé, on m'a foutu un coup ou quoi là? J'ai pas compris. Ok, pas compris. Pourtant y'a personne en plus, je comprends pas du tout. Purée. Ok, là aussi c'est bloqué. Un sacré mort. Y a des bruits tout autour là. Ok, on va aller par là, il y a de la lumière. On va aller vers là où il y a de la lumière du coup. Ok, putain, sacré brouillard là. C'est bloqué. Allez, allez, hein. Ok, ouais. Ouais, non, bien sûr, je crois. Débile. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a dit l'autre, notre ami. Hein. Va passer par là. Ouais, mais c'est un putain de cul-de-sac là. Ah, mais c'est quoi ce plan? C'est un cul-de-sac de merde là, ça sert à rien. Pourquoi m'être venu faire chier? Ok. Ouais, mais pourquoi être là? Y a un truc à faire en plus ou quoi là? Là, non? Je sais pas, on dirait que. Un truc particulier à faire, c'est pas possible. Ah, l'échelle, purée, je voyais pas l'échelle. Non. Si, l'échelle là. Là, y a rien du tout. Ça m'a fait une sauvegarde là, mais pourquoi? Dans quel but? Il y a notre petit téléphone. Là, on va pas pouvoir monter parce que y a les barbelés et tout. Attendez, je suis en train de. Pas idiot, je sais pas quoi, où on pourrait monter? Non. Quoi? D'accord. Y'a rien à faire avec les tuyaux là par hasard? Y'a beaucoup de tuyaux aussi là. Ouais, c'est là où je venais. Quoi? Ah, d'accord, ça s'est ouvert entre temps. Ça s'est ouvert entre temps. Ok, tout est chaîné, c'est parfait. Non, enfin, c'est pas très parfait en fait. C'est-à-dire que là, on va. Oh, ça a été démonté là. On va voir qu'est-ce qu'il y a par là. Aussi, c'est bloqué. Ah.
Parfait, des piles. Ah oui, d'accord, on a contourné le truc du coup. On a contourné tout. Bon, là, il y a l'air d'avoir notre petit ami qui est en très bonne position. Oh! Bonjour, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, c'est pour limiter la chute, là, du coup, qu'on a fait ça. Attends, avant de profiler là. Une échelle là. Putain, mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe là. Hein. Ah, c'est nos jumeaux là. Il y a le bruit pas cool là. On est revenu où là? On a fait le tour ou quoi là? Ah, what? Eh mais c'est méchant ça. Oh, ça se fait pas ça. Là, je suis pas d'accord, là, je suis pas d'accord, c'est pas ça. J'ai choisi rien du tout, là. Oh. Ouais, d'accord, je venais de là. Quoi, il faut pas les toucher, quoi? C'est quoi ce plan de merde, là? D'accord, ça c'est pour faire joli. What? Quoi? 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 Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? What? Ok, d'accord. Ça sert à rien, ok, on se casse. What? Ouais? Ça sert à quoi tout ça? C'est pour décorer ou quoi? Ah merde, merde, merde. Ah là je suis dans le caca là. Ah je suis encore dans le caca. Putain c'est quoi cette sauvegarde de merde? Merde! La touche. Ah par là. Par là, ok. Putain, c'est foireux ça, c'était un plan foireux ça. Putain les jumeaux ils étaient pas gentils là. D'habitude bon, ils disaient ouais on va te tuer, j'ai envie de te tuer. Non, 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 tu remontes. Oh, abuse pas trop là. C'est quoi cette prison sérieux hein? Ah, putain. Porte de l'autre côté, ok. Ok. Oui, ça sert à... Alors, ça sert à quoi là? Le délire, regarde, entre, je ne suis pas sûr. Un carré parce que vous devriez me dire un agent de sécurité, je vous le cache, hein. Un pays, un tête à avoir les comptes.
C'est quoi là le truc en fait? Ça sert à quoi de venir ici? Rien du tout, juste à récupérer un. C'est tout? Y'a que ça à faire ici. Y'a que ça à faire. Ah non, ça continue par là, ok, d'accord. Donc on doit passer au-dessus de tout là. Quoi? Ok, là il y a tout le monde, ils ont tous peur là, c'est bizarre. Ok, y a échelle là. C'est bien sympa de faire des trucs qui s'ouvrent, mais s'il n'y a rien du tout dedans, ça sert à rien, c'est juste pour vous le dire. Vraiment, j'aimerais bien voir une map de tout le lieu là en fait. Là, je comprends pas, c'est censé être une. Billy understood. They've always been here. Ok. Ça, c'est genre personnes qui sont safe. Ils discutent juste, ils vont la discuter et voilà, c'est tout. Non mais sérieux, arrêtez avec les salles qui servent à rien. Hein. Ok, bon là ça sert pas à rien mais. Quoi? Mauvais sens! Ok, c'est run, c'est le run. Alors, je crois qu'il y avait à la fois Billy, enfin le Wild Raider qui arrivait. Ah non. Et à la fois, on avait notre ami, un ami qui voulait nous voler du mal. On fouille un peu, on charge des pipiles. Porte s'ouvre celle-là. Son repas, c'est parfait, c'est tant mieux. J'aime bien quand les portes s'ouvrent pas en fait, des fois. La radio, allez. What? Oh, il est encore en vie, lui? T'es encore en vie, toi? Ah. Ah putain, j'aurais préféré que tu crèves là maintenant toi. Toi t'es vraiment le casse-couille de service. Ok. Il a niqué la radio cet enfoiré. Ok. Ah! Casse-toi de là. Ok, on run. Il m'a pas vu, c'est parfait. Ok, par là. Il m'a pas vu, c'est tant mieux. Il m'a pas vu, c'est parfait. Je l'ai passé de manière transparente. C'est tant mieux. C'est quoi, on dirait des cuisines là, non? Ouais, non, je sais pas, un genre d'entrepôt. Ok. Attention, work op personnel. An emergency evacuation is in process. Please proceed immediately for the administrative.
D'accord. D'accord, ça dit juste que maintenant que c'est la merde. Bon, on va se laisser là. On a fait encore une visite d'extérieur. Ça a été tendu. Et on a retrouvé notre petit ami Chris qui voilà. Donc du coup on va se laisser là pour ce quatrième épisode d'Outlast Whistleblower. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao les amis. Wouah, purée. T'es qui toi là? Oh. Non, 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 non. Purée. Je reste ici. Et tu cuis. Ah non. Allez. Ok, on a eu chaud. On a eu chaud au cul. Putain, on a eu chaud au cul, les amis, là. On a eu méga chaud au cul.